tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo, mais je ne suis pas toute seule pour filmer cette vidéo puisque je suis accompagnée d'une acolyte très spéciale. Je vais vous la présenter dans quelques instants. 3, 2, 1... Attends, on va porter... Alors, qui es-tu ma chérie? Présente-toi. Je suis Flavia. Oui. Tu as quel âge? 4 ans. Et tu es... Damarone. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Regarde la caméra. Oui. Et t'as bien la bouillie? Oui. Oh, elle a failli dire non. Alors, avant de commencer la recette, on va vous présenter les ingrédients. Alors, Clésia, de quoi a-t-on besoin pour la vidéo? Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? De Alors, on a besoin de 250 g d'arachide blanc, comme ceci. Ensuite, on a besoin de sucre. Du sucre. Ça vient, sucre, toi? Oh, mais si tu manges, on pourra plus mettre dans notre recette. Petite chippie. Alors là, Clésia. Alors, en ce qui concerne le sucre, vous rajoutez vraiment la quantité. Alors, en ce qui concerne ma recette, donc on a besoin de sucre. Le sucre, c'est vraiment en fonction de vous. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ensuite, de quoi a-t-on besoin? De la bouillie. Alors, de l'arachide. Mais non, c'est de la bouillie. Alors la bouillie, donc quand vous l'achetez, elle est généralement congelée, donc vous trouvez ça dans les épiceries africaines. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé dans de l'eau pour diluer, pour récupérer une partie de la bouillie et l'autre partie, je vais la récupérer et la congeler. Ensuite, on a besoin de 1 litre d'eau. Alors là, ma bouteille, elle n'est pas remplie parce que j'ai utilisé donc une partie de l'eau pour diluer ma bouillie. Et pour terminer, on a besoin d'un mi-litre. Pour faire quoi? Mais tu fais quoi avec un mixeur dans l'eau? Attends. D'abord, on va mettre les ingrédients avant de mettre. On commence par mettre quoi? Les cacahuètes. Donc, attends, on va mettre les cacahuètes. Tu veux que je te porte? Voilà. Donc, dans un mixeur, vous rajoutez donc 250 g d'arachide et vous rajoutez toute la bouteille d'eau. Merci, ma Kéfi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer le tout. Donc, je récupère mon mixeur et je filtre le tout. Comme ceci. Sans mettre partout. On met déjà partout. Ça va, tu t'en sors? Attends, je vais te donner un petit coup de main. Ok? Pour bien filtrer tout ça. Tu vois, quand on fait ça, ça va plus vite. Doucement. Vous voyez, il ne reste que les petits morceaux d'arachide. Donc, des petits morceaux d'arachide qui... eux ben, ne sont malheureusement pas passés par le petit trou, mais c'est justement ce que on cherchait. Donc voilà, on récupère seulement le jus d'arachide. Alors, donc là, j'ai mis le tout dans ma casserole. Maintenant, je vais faire cuire tout ça à feu doux, tout en remuant de temps en temps. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Je touille ma bouche. C'est très bien. Bon, je vais reprendre le flambeau. Donc une fois que on a dilué toute notre bouillie, on récupère le récipient et on le rajoute dans la casserole. Enfin, comme ceci. Il vit dans la tête. Ensuite, je vais rajouter de l'eau, l'équivalent de 400 ml plus ou moins. Et je continue à mélanger à feu doux pendant 15 minutes. Donc là, après 15 minutes de cuisson, je coupe mon citron en deux et j'utilise juste la moitié. Attention à bien retirer les pépins. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette enfant? Elle veut encore chipper un sucre. Oh,
Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Elle va avoir les dents toutes noires parce qu'elle mange plein de sucreries. Après avoir coupé mon citron, je vais... Après avoir... Je vais rajouter un citron. Merci. Heureusement que tu es là, maman. On rajoute combien? Un ou un demi? Un, deux? Oui. Voilà, donc comme ma chérie l'a très bien dit, on va rajouter un demi citron dans notre bouillie. Attention à bien retirer l'épée. Parce que c'est dans le bouillon. Check. Elle est d'air que c'est pas dans le bouillon. Donc là, on rajoute le demi-citron dans la bouillie, tout en remuant, comme ceci. Après avoir rajouté le demi-citron, qu'est-ce qu'on va rajouter? Sucre. Du sucre. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le sucre, c'est vraiment... Comme je vous expliquais tout à l'heure, le sucre c'est vraiment en fonction de vous. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vraiment en fonction de vous. Donc voilà. Mais tu veux bien remettre mon sucre? Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon sucre. Bon, Lisa ne veut pas remettre mon sucre, donc c'est pas grave. On va le devenir avec ça. Donc je rajoute tout mon sucre dans ta casserole. Et je continue à mélanger. Regardez. Comment ma bouillie est bien belle, sans grumeaux, sans rien du tout. Je suis trop fière. Donc voilà, notre bouillie est enfin prête. Alors, elle est restée au feu entre 20 et 25 minutes à feu doux. Et attention à toujours être à côté pour remuer, pour ne pas que ça fasse des grumeaux. Regardez comment elle est magnifique. On va déguster ça avec des beignets. Mais attends, il faut faire un vrai câlin. Tu veux faire un câlin à moi? Vas-y. Bah oui. Et c'est qui lui? À les abonnés. Ah mais fais un câlin pour moi et moi je vais faire un câlin aux abonnés de ta mère. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déguster notre... Je pense qu'on va laisser plaisir à tout le monde dans son délire parce que je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de danser. Une fois que notre bouillie est prête, je récupère tout simplement ma casserole et je vais mettre dans un petit bol pour la déguster. Déjà recule, prends la pâte de bouillie. Alors voilà, donc j'ai transféré la bouillie dans un petit bol. Je rajoute ma petite cuillère et je la déguste. Tu veux goûter? Tu souffles hein, doucement. Souffle parce que c'est chaud. Souffle. C'est chaud, hein? Souffle un peu. Souffle encore. Souffle encore. Voilà. Attends. Alors, Clésa, qu'est-ce que tu as pensé de la recette d'aujourd'hui? J'ai aimé. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'on dit aux abonnés? Rendez-vous la prochaine fois pour la... Vidéo. Et aussi, n'oubliez pas que tu vas avoir un autre invité pour la vidéo. Oh, bisous les abonnés! C'est bien, check. Allez, va te coucher.